Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir. C'est Edition Chita, tant de nouvelles, ça qui entre la caillou. Moi, c'est Met Info. Quel que soit votre branché, nous disons bienvenue sur le canal Information sans force côté. Nous sommes toujours contents, amis téléspectateurs, amis internautes, pour nous présenter aux éditions Nouvelles par la Premier ministre AI, démissionnaire Claude Joseph, annoncé formation une commission qui gagne la dalle plusieurs membres du gouvernement qui a gagné pour organiser une funéraille nationale pour le défunt président Jovenel Moïse qui mourit assassiné la Kaili dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet passé. Donc, Premier ministre AI a fait connaître, c'est dans la tête collée avec Madame Président, toute décision à prendre. Après ça, le fait connaître. Président américain Joe Biden, lui parlait sous dossier Haïti, lui fait connaître, eh bien, il était voyé une commission, vient regarder comment la crise là est dans le pays d'Haïti. C'est après rapport commission fin Bali. Et ça, il a connaître qui position Washington a gagné pour adopter dans la situation crise politique pays d'Haïti. Pendant Joe Biden, président américain, lui est bien conseillé avec tout secteur dans la crise politique dans le pays d'Haïti pour mettre tête ensemble pour rejoindre une solution à l'amiable dans la crise. Là. La police nationale dans le pays d'Haïti a lancé un avis recherche contre plusieurs citoyens. Parmi eux, gagnent ancien sénateur John Joel Joseph, gagnent Jar Rodolphe Dodoff, qui est un proche, bien ancien président régime PHTK, et puis avec Badjo Joseph Félix, qui est un ancien cadre dans ULCC. Mais pour venir répondre à la question, la justice sous assassinat qui fait sous ancien président Jovenel Moïse. Pendant ça, la police dans le pays Colombie a mené enquête sous eh bien, Dimitri Hera, qui est chef, ancien chef USGPN Palais National, là, sous un paquet de voyages qui a été fait dans le pays Colombie avec plusieurs pays dans la zone Amérique. Là. Amis téléspectateurs, amis internautes, nous toujours contents. Rejoignez-nous pour nous présenter l'édition Nouvelle ça nous préparer pour. J'en ai annoncé aux amis téléspectateurs, amis internautes, gagné Premier ministre démissionnaire à IA Claude Joseph qui annonçait eh bien création d'une commission, je ne m'en dis pas, donc comité ça a gagné pour que l'organiser funérailles nationales pour défunt président Jovenel Moïse qui mourit assassiné. Donc, dans la condition, nous connaissons la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet 2021. Notre commission, ça, il y a là-dedans plusieurs membres du gouvernement. Donc, nous invitons à écouter déclaration Premier ministre démissionnaire à IA Claude Joseph qui a présenté différents membres de la commission avec qui ça a gagné pour le faire. C'est effectivement un accord avec Madame Président, famille, comité ça a créé, à une arrêté. Qui a pour mission organiser dans le respect, dignité, la solennité, une erreur chef d'État pays. Sous instruction du Conseil des ministres, le comité s'adresse à toute disposition pour bien réaliser la mission. Institutions et administration publique du bail comité a toute collaboration nécessaire pour accomplir la mission ça. L'État peut mettre tout moyen en main comité ça pour faire travailler le respect de la République. C'est le ministre des Affaires étrangères à qui là, évidemment. C'est le ministre de la Défense qui a avancé. C'est le ministre qui dit la communication. Et bien sûr, a avancé. C'est le ministre intérieur à la collectivité. C'est bien sûr le directeur cabinet président de la République que a avancé. C'est le secrétaire général de résidence. Il va là. C'est le directeur général de Bana. Il
les Haïtiens, Frère Maxime, demandez-nous pour nous accompagner le comité ça. Participer à la cérémonie hommage qu'a organisé dans le mémoire président d'une façon pour l'aller dans l'honneur. Président américain Joe Biden a prononcé sur la situation politique du pays d'Haïti journée lundi. Joe Biden a rappelé donc pendant le week-end, le pays États-Unis a envoyé une délégation pays États-Unis voyez en Haïti vinn gade ki jan situation politique la yé nan pays d'Haïti. Donc ces rapports délégation ça Joe Biden dit la tonne pour le connaître ki jan les États-Unis bien pral apprécier situation qui gagnait nan pays d'Haïti pour kounye. Joe Biden cependant donc li encourager tout acteur politique nan crise politique pays d'Haïti a pour mettre tête ensemble pour capable résoudre crise là et une crise qui vraiment sans pareil pays d'Haïti et même pour que jamais connaît nan niveau si là. Toujours dossier assassinat sous ancien président Jovenel Moïse, la police dans le pays d'Haïti mettait un avis recherche derrière trois citoyens qui c'est d'abord ancien sénateur John Joel Joseph, Jar Rodolfo Dodoff qui c'est un proche ancien chef régime PHTK et puis tout avec Badio Joseph Félix qui lui-même c'est un ancien cadre dans ULCC. La police reproché Mounsayo de assassinat, tentative assassinat avec vol armé armé. Donc tout trois monsieur Sayo, donc la police dit yo très dangereux et puis yo gagné zam nan men yo d'après la police. Donc c'est dans cadre enquête qu'a mené sous assassinat ancien président Jovenel Moïse là, et ben yo lagué la police lagué avis recherche si la yo derrière ben trois personnalités si la yo. Journée mercredi, ça fait déjà 8 jours depuis un commando lourdement armé a débarqué la caille ancien président Jovenel Moïse dans la nuit 6 pour l'ouvrir 7 juillet passé à mes côtés. Yo touye président et puis blessé madame gravement grave qui t'a prend soin dans pays États-Unis. Donc dans enquête la police mène déjà dans pays d'Haïti gagne 21 moun qui déjà joine arrestation yo 21 moun parmi yo et bien gagne 17 colombiens gagne 3 et donc colombiens qui mouri dans échange coup de zam avec la police d'après ça directeur général AIPNH la Léon Charles fait connait gagne 5 mercenaires yo même qui en cavale gagne 2 haïtiano américains donc la police arrêté avec un haïtien qui lui-même la police arrêté qui porte nom Christian Emmanuel Sanon. Donc c'est un docteur qui t'a vive dans Miami pays États-Unis et qui était entré dans pays d'Haïti dans finissement mois de juin là à bord un disons un avion privé avec plusieurs colombiens. Donc c'est citoyen ça qui te gagne responsabilité à savoir monsieur Christian Emmanuel Sanon qui te gagne responsabilité pour recruter 26 colombiens qui t'a participé dans assassinat président Jovenel Moïse là d'après ça directeur général la police là il a fait connait Léon Charles gouvernement colombien lui-même sous Bopal li confirmé. Donc il gagne un bon parti dans monsieur Sayo c'était ancien militaire colombien dans pays Colombie qui pas en service encore qui retraité. Donc il dit monsieur Sayo yo gagne en pile expérience dans question narcotrafiquant dans traquer narcotrafiquant. Donc c'est ça que fait international là toujours remet recruter monsieur Sayo qui gagne en pile expérience d'après ça officiel dans pays Colombie fait connait. Donc toujours selon la presse dans pays Colombie gagne une dame qui donc pour disons qui présentait tête li comme madame une nan monsieur colombien sa yo arrêté dans pays d'Haïti donc li fait connait c'est une entreprise qui t'est approché Maril et qui t'a payé le $2,700 américains par mois pour que li t'ait fait partie de commando si là faut que nous dire gagne une autre dame dans pays Colombie donc toujours selon la presse dans pays Colombie l'autre dame ça lui même li présenter tête li comme c'est une nan militaire yo arrêté dans pays d'Haïti yo donc dame ça lui même li fait connait c'est travail frère la t'a travail pour gouvernement haïtien li ajouté
jour la mort président Jovenel Moïse là, et bien frère là, lui t'a parlé à lui sur WhatsApp et il t'a fait connait ville t'est en danger puisque côté le TIA était encerclé caille côté le TIA, donc il t'a essayé ouais pour voir s'il était capable de s'échapper pour lui. Donc il pas connait s'il t'a arrivé sauvé et comme de fait, c'est à dire lui apprendre et bien monsieur mouri. Gouvernement colombien lui-même donc lui a mené la enquête sur plusieurs voyages Dimitri Erard, ancien chef USGPN dans le palais national la fait dans pays Colombie. Yo joine monsieur il fait plusieurs voyages dans pays Équateur côté il était formé donc comme disons dans l'armée pays Équateur. Dimitri Erard voyagé tout dans pays Panama avec dans pays République Dominicaine. Yo joine il fait plusieurs voyages dans pays Colombie sorti mois de janvier pour arriver dans mois de mai 2021. La police colombienne a cherché qu'on est pour qu'on y a. Donc, qui activité Dimitri Erard t'a mené dans le moment où il était fait tout voyage ça yo dans le pays Colombie. L'autre information, toujours information qui a un rapport avec l'assassinat qui était fait sous président Jovenel Moïse, gagné ancien sénateur Steven Benoît, sénateur l'Ouest, qui lui-même te répond question et paquet et tribunal civil Port-au-Prince, journée lundi. Donc, l'a dit qui ça, il était dit juge là, dans le cadre de ça. Nous-mêmes, nous avons commenté sur ça, un juge de paix qui clairement identifié dit à travers un constat légal. Et juge de paix a dit, lui constate que le président criblé de balles, 12 balles, lui constate qu'il y a 100 dans le plafond, lui constate que le membre président est méclassé, lui constate que le président crevé, ainsi de suite. Ça nous tout donne, puisque c'est un constat légal, le juge de paix a dit. Et lui dit en plus, dans zone immédiate, quand le président est là, nous devons barrière, il n'y a pas de jouer 12 balles. Il n'y a pas de sang en dehors de là et il n'y a pas de aucun agent de la garde présidentielle président, donc n'a pas de USGPN, n'a pas de SP, n'a pas de captive. Donc, et suite à ça, nous devons radio, et suite à la déclaration chef de police là, qui accusait quelques heures, ou bien une heure ou deux heures après l'assassinat président, et lui dit assassinat fait à 1h du matin. Là, on va me dire, après m'aider, ça me donne radio. Et il dit Colombien, c'est un commando de 28 Colombiens qui tue le président. Moi-même, moi-même, comme citoyen, comme homme public, moi dis que je trouvais monsieur Ale, premier ministre, de facto AIA, ancien premier ministre et chef de police AIA, il allait très vite en besoin. Quelques heures après, je ne dis pas ça, chef de sécurité président dit. Je n'ai pas dit que y a des gens qui étaient dans la sécurité président, qui étaient en garde à vue, qui étaient arrêtés, mais ils étaient déclarés, mais des gens qui font crime. Alors moi-même, je dis, je trouve suspect la déclaration ça, parce que quelques heures après l'assassinat, les Colombiens ont dans la rue à marcher paisiblement dans la rue Petroville, ils ont des machines, des machines qui prennent pas une vidéo là, ils descendent. Les machines, ils continuent à pied à la caillou, même qui a fait trafic, qui a vérifié qui machine qui a monté des sons. Donc moi je dis, comment un groupe qui fait un crime est librement à marcher, à circuler dans la rue Petroville. Moi-même, en tant que personnalité publique, j'ai droit à l'observation. Mais moi-même, je ne pense pas que je fais des déclarations intempestives, qui pense que je fais des déclarations irresponsables. Moi-même, je me demande, et je continue de demander, je dis, président pays assassiné, c'est normal en tant que personnalité publique, en tant que en tant que personnalité politique, pour me demander, même j'ai ma demande de justice, pour mon cité soleil assassiné l'autre jour là, pour mon matin de 19, pour mon assassiné l'autre jour là, pour mon pont rouge qui assassiné, pour mon. Et Martissan qui perd du caillou qui assassiné, même j'ai ma demande de justice pour Mounsayo, ma demande de justice tout pour le président Jovenel Moïse. Parce que même le Jovenel Moïse était un adversaire politique, mais il ne bat jamais mon haine pour lui, d'un bon criminel. Et moi-même, c'était un adversaire politique
et pas nous-mêmes, c'est pas ennemi. Donc moi-même, m'a demandé et m'a continué à demander. M'a continué à demander justice pour rendre à président. Et m'a continué à demander tout. Justice pour Colombien. Si vous n'avez pas fait crime et accusé, il faut que vous parlez de justice. Alors maintenant, j'ai quelques questions. Parce que la dernière fois, je vais parler sur ce sujet. Parce que je vais parler de mon juge. Je vais parler chaque jour sur ce sujet. Question, et je vais dire comme ça. Question que je vais poser aujourd'hui. Donc, côté agent, dans les points 21, dans les informations qui fait nous gagner. Côté 21 agents, ça a passé, je dis à la, comment parler avec nous là. Côté yo, qui statue? Est-ce que vous avez gagné la vue? Est-ce que vous avez arrêté yo? Côté yo, est-ce que vous avez travaillé? Je ne sais pas. Deux, et première question. Deuxième question, pour qui ça, moun yo dit qui met en soleil, qui fait crime, pour qui ça, vous avez pris la fuite? Pour qui ça, vous avez courir, aller? Pour qui ça, vous avez arrêté sur les lieux du crime, finalement, je vais Pétionville là, et le crime de Pétionville, il fait. Trois, qui est-ce, il y a deux ou trois, on floue, il y a deux ou trois Colombiens qui mourent, qui est-ce qui tue eux, pour qui ça? Est-ce que Colombien ça a été riposté? Nous ne connaissons pas, ce sont des questions que je vais poser. Quatrième question que je vais poser, qui est-ce qui menait Madame Martine Moïse l'hôpital? Je veux dire, ma mère, une nous a dit, qui est-ce qui démenait l'hôpital? Moi-même, en tant que citoyen, moi, j'ai droit à la question ça. Donc, c'est une question que je vais poser. Moi-même, je profite de l'occasion ça pour demander à Madame Martine Moïse, Madame Président, que nous souhaitons un bon rétablissement du fond du cœur. Nous souhaitons que les rétablis, parce que moi-même, pas de crime, pas de tuer monde, pas d'assassiner monde. Nous souhaitons du fond du cœur que Madame rétablit rapidement. Mais même, une bonne question à Madame, une bonne chouette à Madame, non? Je dis, Madame Martine Moïse, va où mourir assassiné? Faut qu'on dit tout ça pour qu'on est sur sa rivière ou pas, pour Marou, pour avoir justice. Petit job de Moïse, qui était dans le cas là, ils ont même tout demandé, on n'est pas des mineurs, des adultes, demandé tout eux-mêmes. Pour yon prendre courage à demain, pour yon dire la vérité, rien que la vérité, pour yon aider papa yon joindre justice. Concernant la crise qui a brassé Bill, pays d'Haïti, sénateur Steven Benoit, fait qu'on est li prêché yon entente nationale entre différents partis politiques avec divers secteurs dans la vie nationale là pour yon capable joindre yon solution haïtienne avec participation. Tiers Sénat qui lui-même pas qu'au fini d'après ça le fait qu'on est. Une autre fois nous invitons à écouter déclaration Steven. Comme des gondes sont pouvoir PHTK a fait nous classer toute institution. Je veux dire un fait accompli. Gentil sénateur qui peut l'avoir voté. Mandat nous d'abord pas qu'au fini. Il y a un rôle à jouer. Il y a un bagaille pour dire la situation politique ça. Moi-même quand dit nous parlons avec sénateur Robert et moi dit sénateur Robert. Faut que nous ayons une réunion, pressé à toute force du pays, n'a pas les partis politiques, les sociétés civiles, religieuses, catholiques, protestants, pour nous combler, pour nous décider ça n'a fait. Parce que dans une situation de fait, pas de constitution mise en veilleuse depuis janvier 2020, nous avons une constitution, je veux dire, son accord politique qui pouvait demander le sénateur de maire pour lui adjoindre le parti politique, ce que nous avons fait. Mandez le tout pour la joindre, parce que c'était civil là, apparemment, il y a plusieurs réunions qui ont fait. Mandez-le pour lui assurer que la réunion ça y est, pour nous débattre deux jours, un jour, quatre jours. Et en final, c'est le résultat d'un dialogue entre haïtiens là, et puis pour nous joindre une solution à l'haïtien. Moi-même, votre serviteur, en tant que porte-parole, en tant que national, pour nous traîner sur le coupé marché. Nous tous connaissons, nous avons produit un document l'année passée. Nous demandons des points ordonnés. Il y a des gens qui ont pris sur moi, il y a des gens qui ont pris, il y a des gens qui pensent jouer. Je veux dire là, nous devons toutes conditions réunies pour un texte qui nous sortit. Comme nous-mêmes, nous avons proposé deux textes déjà, une 30 janvier, une autre jour, 5 juin, avec 5 autres grandes entités politiques, près de 5 autres partis politiques, nous avons texte de mise. Parce que le texte, justement, nous devons prévoir. Et si Jovenel Moïse allait, on va le tuer nous-mêmes. Et s'il démissionnait, et s'il allait, je dis à nous devons faire accompli, il n'est pas là. Donc, peut-être ça, que nous avons produit depuis un an, que nous reproduit, amélioré tout le jour là, je dis à nous devons faire de mise, et nous devons dire, et sénateur Lambert, et les partis de l'opposition,
et dans les société civile deux fois, mais vous remettre un document, vous dites yo, yo cap utiliser le document ça, yo cap puiser le document pour nous à travers la commission nationale de transition nous proposer pour yo choisir et ou président, parce que moi-même je pensais que nous pas besoin de deux retirer, nous besoin un seul monde qui cap jouer rôle et chef de gouvernement et chef de l'État, parce que le pays a une situation économique difficile, pour qu'ils soient besoin de deux chefs, deux protèges, deux dépenses. Le budget public en vigueur là, il dit primature au budget 3 milliards de gouttes, résidence au budget 3 milliards de gouttes. On peut donner un seul budget 3 milliards de gouttes et puis tout va marcher. Benoît. Toujours concernant crise cap brasser bill, crise politique qui a brasser bill pays d'Haïti à commission indépendante qui gagne la dalle, ben divers secteurs dans vie nationale là annoncé y a signé un accord politique jeudi 15 juillet cap venir là entre tout secteur dans vie nationale là pour capable ouais mais si capable mettre un président provisoire dans tête pays là. Donc Ted syndic c'est un non responsable, nous invitons à côté déclaration. C'est une assemblée qui a réuni et c'est assemblée qui a un accord là. Donc nous pas un accord ficelé, nous pas un accord qui préparé déjà que n'a pas on y a venu à dire la dernière, il a venu à discuter de tout travail que nous fait déjà, de résultats que nous joignent déjà et n'a prêté devant humblement j'en fais déjà pendant deux séances déjà, et c'est ça qui permet de nous une table à élargir. J'en ai dit là, c'est même démarche ça que nous avons fait. Donc, nous n'avons pas un accord prédéfini qui cuit qui là. Donc, c'est pas un accord là, fait juste ça, à partir de débat fait, de solutions que nous avons. Nous avons une proposition que nous avons. Et c'est pour nous que nous avons mis sous table là, au niveau de tout le monde. Ça, c'est la première réponse à la question sur l'accord. La deuxième question, sous accord qui joint notre yo que pour résolution mettez M. Lambert président de la République. Bon, démarche pas non, nous penser que avant qu'elle arrive dans des décisions comme ça, il faut qu'il y ait pile concertation. Et c'est une démarche ça, c'est une démarche de concertation. Il y a une initiative là, la vaut salvo. La préfète côté pour le mais nous-mêmes, ça ne va pas déranger la démarche que nous avons fait, son démarche de construction d'une force de société. Parce que nous pensons aujourd'hui, à pas piquer le vent, pas de pressé, c'est permettre que le pays a joué un moyen pour le calmer, pour le un espace de dialogue, un espace de discussion et pour le une résolution qui reflétait fondamentalement. Et Madame Komo Denis Sotili, ça fondamentalement, c'est la préoccupation du peuple haïtien. Parce que Fon dit, un aspect important, c'est la question que le peuple haïtien souverain et dirigeant pays ont refusé de reconnaître que le peuple est souverain. Et il a une capacité pour décider qui j'en agit sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. Donc, nous ne pas juger de qualité ça va faire. Nous simplement dit, yo prend une initiative, mais nous-mêmes, nous avons une initiative de rencontrer tout, y compris eux même tout, qui prend décision ça. Nous en une situation pour nous parler avec eux, pour nous comprendre que la réalité, son réalité, de mettre ensemble, tout le monde ensemble, tout secteur, toute force politique, toute organisation, pour nous parler d'une seule voix, pour une seule réalité. Amis téléspectateurs, amis internautes, c'est là nous camper avec Session Information. Ça, nous remercions pour écouter avec attention. C'était Zami, au frère, mettre info qui t'a observé. Nous casser rendez-vous demain, même la même chaîne. Si papa, bon Dieu, content. À bientôt.